La France a toujours été un petit pays dans la réalité. Et pendant qu'on était en train de se dire qu'on était les meilleurs, que c'est très important, donc dès qu'il y a un conflit, on intervient, on débarque pour donner notre avis, mais les autres n'en ont plus rien à foutre. Mais parce que dans notre pays, c'est le chaos, mais on ne fait rien. On ne dit rien, on essaie de comprendre, on fait des procès, on bavasse. Et pendant ce temps, on fait le tour du monde pour essayer de donner des conseils à tout le monde pour dire comment il faut faire la guerre, s'il faut pas la faire, s'il faut faire des trêves, comment il faut faire. Plus personne ne nous écoute. Peut-être qu'un recentrage sur notre pays, qu'un peu de concentration sur ce qui se passe chez nous, plutôt que d'aller donner des millions à Gaza, des millions à l'Ukraine, et de les laisser tout seuls après, les abandonner, en se disant que oui, qu'il y aura d'autres conflits, qu'on essaiera d'aider, et on essaiera d'être important. Peut-être qu'il est l'heure maintenant de rétablir l'ordre, qu'il est temps qu'on arrête de se dire que le monde entier a besoin de nous, de notre vision, de notre façon de réfléchir. Peut-être qu'il est temps maintenant de remettre les choses à leur place, qu'il est l'heure maintenant d'assurer la sécurité des gens qui sont chez nous, plutôt que de faire croire que l'on va régler les problèmes des autres qui ne nous ont rien demandé. Rien. Ah, tu n'es pas d'accord ? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.